Ça y est, ça marche. Eh bien, bonjour ou bonsoir à toutes et à tous. Ici Wookie 88 pour YouTube et Dr Chewie et Mr Wookie pour Twitch. J'espère que vous allez bien. Moi, bon, ça va, j'ai faim de sieste, hein, encore, comme d'hab. On se retrouve donc pour la suite de Forerunner, hein, toujours. Les temps-ci, ça va être que ça. Voilà. Là, on est parti pour fourniture de forage. Donc, quoi d'autre, hein, on y va, hein. Donc, j'ai encore repris le Pacifique, hein, comme vous voyez. Et bien sûr, ça commence. Ça commence bien. Voilà. Bah, il est toujours raide à démarrer. Hein. Ou c'est moi qui ai du mal à démarrer. Donc, direction d'abord le port pour récupérer le conteneur de fret. Et l'entrepôt, je crois, pour récupérer les tuyaux pour la livraison au site. Aïe! Bon, il y a des chances que je vais peut-être pas trop parler comme d'habitude que je fais, mais parce que là j'ai un peu mal le crâne, donc bon, je vais quand même essayer, hein. Ouais, j'ai repris celui-là parce que bon, il est pas mal, et puis bon, malgré que c'est la remorque, l'espèce de remorque tout terrain là, ça pose pas tellement de problèmes pour le Pacifique là. Mais c'est vrai que quand je le prends pour d'autres camions moins puissants niveau traction, ben la remorque elle est vraiment lourde. Enfin, je peux pas dire lourde, mais ben, si lourde puisque mon véhicule se ralentit, donc. Donc moi je pense qu'on fera peut-être juste un live d'une heure, je pense. Ou peut-être un peu plus, ou peut-être un 2 heures si ça va mieux au fur et à mesure. Mais on verra bien. Les gens, on part au moins sur 1 heure, hein, comme d'habitude. Quoique j'ai regardé la dernière vidéo, enfin l'avant-dernière que j'ai postée, il y avait 58 minutes. Bon, ça rattrape la suivante, parce que la suivante, elle est de 1h04. Alors, bon, le conteneur, on va le charger sur le camion. Hop. Je sais pas lequel des deux est le plus lourd. Si c'est le conteneur de fret ou bien les tuyaux moyens. C'est bon, les tuyaux petits, ça a l'air d'être des espèces de tuyaux en PVC, donc en plastoc. Donc, c'est pas trop lourd. Donc peut-être que prochainement il y aura un peu moins de SnowRunner, ça sera à voir, puisque bon, j'en ai discuté un peu avec mon modo, lui aussi il a ETS2, donc on verra pour éventuellement essayer de se faire des parties coop.
Mais bon, pour ça, faut que son emploi du temps coïncide, quoi. Comme il bosse en semaine, c'est plutôt difficile parce que le soir, il rentre du taf, bah, il n'a pas trop envie de jouer, je pense. Donc, on verra, faudra voir. Aïe. Peut-être pas le meilleur chemin non plus. Ouais, la musique elle coupe net. Donc ça c'est une autre playlist de bass boost musique. Pas mal morflé là hein, je pense hein. Et en plus j'ai la grue donc les pattes elles ont tendance à s'accrocher aussi. Ouh la vache. Merci le rocher. À moi-même, éviter de passer ici avec un véhicule aussi gros que le Pacifique. Donc Boar Berlier c'est mort. Et bon, on a rejoint la route. Enfin, oui, on va dire la route. Oui, c'est bien ce que je pensais, c'était là qu'il fallait aller chercher les tuyaux. Tuyau moyen, remorque. Ah non, oui, ça prend deux, c'est ce que j'avais pensé. Enfin, c'est ce que j'avais lu et je croyais que je m'étais trompé, mais non, en fait. Cet endroit, ça me rappelle un peu un mix entre l'entrepôt de Smith de Black River et les ports. Non, pas les ports, les entrepôts, pardon. Enfin, les entrepôts standards. Et je me suis planté de chemin. Purée. Oh, mais c'est pas possible, mince. Même avec des points, je me plante à tout bout de champ, là. C'est pas possible. Mais je vais toujours trop vite aussi. Quand je sors d'un endroit que j'ai fait des points différents, j'ai tendance à pas y faire attention et puis à prendre le chemin, à suivre les chemins normaux, quoi. Enfin, les enchaînements normaux de chemin, quoi, je veux dire. Enfin, suivre les routes, quoi, puis c'est tout.
Ça se voit qu'il a quand même du mal avec la remorque là, hein, dans la boue, dans la flotte. Je voudrais bien le virer le mode là, mais je ne sais pas c'est lequel. Ça me casse les bonbons des fois. Bon, le jeu, t'arrêtes de ralentir, là, de bugger. Si je parle pas beaucoup là. Ouais, mais bon, aussi que l'idée de faire un live avec un mal de caboche. Hein. Aïe. J'ai glissé, chef. Mining. D'accord, donc je n'ai pas le choix, faut que j'aille à Rivière de Montagne. Donc c'est 4 barils de pétrole qui sont bah, où je suis justement, bah ça tombe bien. Ah, Rivière de Montagne, ok. Tour. Rivière de Montagne, c'est où? C'est par là-bas. Hop, 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 et hop. Voilà. Bon bah let's go hein. Bon je crois que je ne peux pas livrer, qu'il me faudra un autre véhicule. Ah la sauvegarde. Bah, il me faudra deux autres véhicules. Un véhicule qui livre les pièces, je crois qu'il faut des poutres en métal et des dalles de béton pour réparer le pont. Et un scout.
une station essence sur le chemin des fois. Non. Ah si, il y en a une. On va aller faire le plein parce que je pense qu'il va falloir qu'il va me servir plusieurs fois le camion sur place. Voilà. Dans la version que j'avais fait avant là pour les succès. Il m'a fallu le camion qui fasse plusieurs fois des allers-retours à Rivière pour prendre les matériaux qu'il faut pour réparer quoi. Bon, il y en a une, je crois qu'il y en a une pas trop loin de l'entrée, enfin une fois arrivé à Rivière, mais bon. Je préfère directement, comme je suis à l'endroit, autant que je fasse un peu le plein. Ça me rajoute quelques mètres. Allez, ça me rajoute 2-3 petites minutes de plus de jeu, de route, de conduite, quoi. Et encore 3 minutes, je suis généreux. Un arbuste sauvage apparaît. Un arbuste. Il me semble que je l'ai pas celui-là. J'apprécie moins la playlist là. Je préférais l'autre. Je vais la remettre, tiens, d'ailleurs. Oui, mais... ça, pour moi... Nirvana, je vais me faire strike directement les vidéos, là. Je pense que je vais me faire niquer la... Il est où? Ah, Panda Beast. Voilà. Bon, on va voir, hein. De toute manière, si Twitch il détecte du contenu protégé, je crois qu'il me coupe la vidéo au bout d'une heure. Ben, il m'a fait ça pendant un bout de temps au début, donc... manière YouTube aussi me le dira, mais s'il me le dit, ben le site comme quoi sur lequel j'étais, ben je le vire parce que ils avaient bien dit DMCA free, donc pour moi ça veut dire pas de copyright, mais là pour moi du Nirvana c'est du copyright, hein. Bon, celle-là, je sais que c'est pas du copyright, puisque c'est du Panda Beast.
aïe, aïe. Ça fait mal au roux. C'est bon. On a fait le plein. On peut partir en rivière. Donc je pense que la vidéo, je la nommerai dernier contrat port. Ou bien... On entame rivière de montagne et on scout. Ou un truc dans le genre, je sais pas. Mais il me semble qu'il faut réparer le pont pour aller faire cette livraison. Je sais plus. On verra bien une fois qu'on sera à rivière. Alors, centre de service. Ah non, il n'y a pas besoin de réparer le pont tout de suite. Bon bah c'est parfait. Bon, on va récupérer la quête là. Hop. Ça, on reviendra avec un scout et le matériel pour livrer ce truc. Enfin, les matériaux, pardon. Oui, bon, bah, hein. Oh, oh, oh. Voilà. Hop là. Colop 74-760 disponible à l'achat. Eh ben c'est bien pour toi.
Hop, une remorque de récupérer de déverrouiller. Donc il faut déjà une dalle de béton et la remorque elle va se remettre comme il faut. Alors pièce de rechange, consommable, d'accord. Alors, restauration du pont. Il faut deux pièces de rechange, ok. Et une dalle de béton qui est... Ok. Il me semble que là, il y a un tunnel, enfin un pont qui est cassé. Ouais, celui-là il est cassé, donc pour aller chercher la dalle de béton ici, faut soit réparer le pont, soit faire un détour par ici, non par là. Ouais, bon, on va prendre les dalles d'orchange, les pièces d'orchange ici. Hop, voilà. Et on va aller chercher la dalle de béton. Pardon. Ah, il y en a un autre. Pardon. Atchoum. Bon. On attend la sauvegarde. Excusez-moi. Donc, alors là, il y a une quête. Ah oui, ça, c'est une quête de contrat. Oh la vache, oh, j'ai cru que j'allais retourner la remorque là. Vu comment qu'elle a cambré. Je pense qu'on peut peut-être... celui-là, il y a celui-là qui est là, d'entrepôt. Ah si, j'aurais pu passer par là en fait. Ouais, comme ça, ce sera plus simple. Super, va falloir faire une marche arrière.
Odette. Comment qui revint? J'ai réussi à te remettre un poil d'avant, j'ai attaqué Lucan. Oui bon. Un Ponita sauvage apparaît. Oui bon, maintenant je cherche même plus à essayer de te rattraper. Hein. Ça fait longtemps que j'ai laissé tomber. Hein. Et comme moi je fais le jeu que en live. Donc j'avance pas spécialement quoi. Oui voilà, bah j'avance en mon rythme. Hein, non, R-I-T-H-M-E. Tu retapes exactement le même mot qu'au-dessus. T'as un problème de H, je pense. Mais moi aussi, je t'aime bien. Je te aime aussi. Voilà. Maintenant, il va falloir essayer de faire un demi-tour. Non, monter par là, c'est pas une bonne idée. Donc demi-tour. Hop, hop. Hop, voilà. Non, plus maintenant. Ah, purée, la sauvegarde. Ah, tiens, j'ai un peu retourné la remorque à essence là. Il n'y en a pas des commandes pour Théo le streamer. C'est bête ça. Hein. Ah ouais, sinon je t'ai mis un... T'as eu une petite promotion, on va dire. Et voilà. Dans les rôles.
Les éditeurs peuvent accéder au tableau de bord d'une chaîne et aider les créateurs à gérer leur chaîne en effectuant les actions suivantes. Modification des informations de flux. Faire des pauses publicitaires. Modification des informations vidéo. Téléchargement de vidéos. Lancer des rediffusions. Téléchargement des émissions passées. Examen, recherche, tri et suppression, y compris la suppression en masse de clips. Et définition des autorisations de coupure de canal. Voilà. Bon, par contre, pas le droit de lancer des pubs, hein. Alors, livrer à l'entrepôt, briques. Oh bah. Oh bah, en plus c'est bien, j'ai. Attends, l'entrepôt il est où? Ah d'accord. Ok, bon bah, c'est pas un souci. En plus ça tombe bien, j'ai la grue moi. Bon bah ça va alors si tu connais pas ce mot. Quel gros pâteau ce camion quand même. Ouais bon. Je peux mettre le chat en. Ouais, bah, y a pas de souci. Hein. Si t'as envie de t'amuser là-dessus, moi, ça me pose pas de souci. Hein. Bon, pas non plus à tout bout de champ, hein, non plus. Hein, Par contre, la grue pour un Pacifique, elle est un peu faible, j'ai l'impression. Hein. Par contre, premier chargement à la grue. Oh la vache. Non mais t'es sérieux là? Espèce de conducteur du dimanche, tiens. Hop. Quoi ce camion, qu'est-ce qu'il a?
est pas bon mon Pacifique. Bah non, pourquoi? Pourquoi il faudrait le ban ce camion? Pas un pet de loutre, tu parles. C'est limite s'il est pas s'il est aussi s'il est presque aussi bon que le Boignac. En moins pété. Je te rappelle que c'est des modes que j'utilise, hein. C'est pas les véhicules du jeu, hein. Oui, si ça serait le sujet du jeu, ouais, je te dirais, bah oui, on va le ban direct, parce que c'est de la daube. Oui, c'est pour ça que tu l'utilises. Tu vas me dire que ton espèce de chose pourrie de T300 de Step 310 est mieux que ça. Bon, j'en sais rien, je suis pas au Yukon. Alors, livré à la base polaire, planche de bois, carburant. D'accord, donc on va arrêter ça ici. Qu'est-ce qu'il me faudrait éventuellement? Carburant, il y en a ici. Des planches de bois, il y en a ici. Des consommables, il y en a ici. Il y en a ici, poutre en métal, il y en a ici, carburant, il y en a ici, tuyau petit, il y en a ici. Ok. Ouais, donc
Ah bah oui, hein, le Yukon, hein, il est spécial hein, comme niveau. Hein. Bon, je ne connais pas, je connais le pic de le Yukon parce que j'ai fait la première partie, les collines inondées, il me semble, mais j'ai pas encore été au pic du Grand Saumon. Enfin, sur la Switch. Hein. Un Trousselin Sauvage apparaît. Alors, voyons voir, il me faudrait un camion qui puisse prendre ce machin. Donc on va prendre lequel? Attends, c'est lequel que j'ai à Rivière? Ah, c'est le P12. Il y a le 512. Enfin, le P12 ou le 512. Ça nous faudrait un camion qui puisse avoir une bonne remorque. Et qui puisse trimballer un yard en plus. C'est bon, c'est ça qui est dommage. Ah si, je crois que j'en ai une des... non, pas le P12, c'est le 512 que je veux. Attends, il me semble que j'ai une remorque à rampe attelable. Ça c'est une tractée. Ouais, j'ai celui-là. Attelage bas, c'est une 4 places. Où il y a la 6 places. On va prendre la 4 places. Donc il me faut un attelage bas. Customisation. Attelage bas. Voilà. Il ne faut pas des fois lui rajouter un petit bac de 1. Ça fait quand même ma housse. Hein. Ah, puis c'est une attache remorque que j'aime pas en plus. Elle est pas trop large hein, cette remorque. Voilà. Alors, direction Rivière.
pense qu'on va amener celui-là sur place et puis arrêter le live. Bon, ça ne prend pas tout à fait une heure, mais là j'ai encore mal le crâne et ça ne veut pas passer, donc j'ai l'impression que le jeu il commence à avoir des coups de lag. Bien sûr, la sauvegarde. Hein. Tant qu'à faire, j'ai déjà des coups de lac, pourquoi pas en rajouter encore. Hein. Allez. On a légèrement scotché le panneau. Ah, faut que je fasse à manger moi en plus. Oh, la flemme. Ben, la flemme, j'ai pas le choix, hein. J'ai des bêtes à nourrir. Hein. S'il n'y aurait pas de bestioles, je me ferais même pas yesh, hein. Je continuerai ou bien je m'arrêterai et puis basta quoi. Ah, j'ai bien les potes mais je sais pas quoi faire avec. Bon, les filles, c'est pas un problème, elles, je leur mets leur boulette de viande. Ben, c'est pas vraiment des boulettes, hein, mais bon. J'ai plus de pâté en croûte. Putain, j'ai plus rien en barbac moi. Bah, étonnamment, la remorque là, elle est stable malgré tout. Malgré que c'est une attache remorque comme ça. Elle est stable.
je mange, j'aille tout seul. Bon, en fait, il y a 3 tours de guet seulement. Non, on va faire le tracé déjà. Non. On va d'abord aller ici. Hop, premier tour. Première tour, pardon. Ensuite, on repartira sur la route en direction de la deuxième. Comme je disais, on va repartir après sur la deuxième. Voilà. Voilà. Bien. On reprend l'autre. Voilà. Donc, ah, c'est bon. Allez, eh bien, bah, plein de bonnes choses de fait. Hein, il est l'heure de se dire au revoir. C'était Dr Chewie et Mr Wookie, ainsi que Wookie 88. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, liker, le partage, la petite cloche. Et puis, ben, ou me rejoindre sur Twitch. Hein, je mettrai la description, mon pseudo dans la description. Voilà. Ben, sur ce, allez, à ciao babouille. Bisous.